Salut les petits aventuriers! Cette semaine, on part à la découverte de San Francisco et de quelques dates marquantes de son histoire. Mais avant de commencer, on va essayer de trouver où c'est. Eh bien, c'est aux États-Unis, en Californie, juste ici. Et en fait, ça se situe dans la baie de San Francisco. Et Tuk Tuk, tu serais capable de me dire qui vit là depuis très longtemps? Oui, des lions-mères, les cousins des phoques! C'est l'endroit idéal pour eux car ils sont protégés des prédateurs, c'est-à-dire de requins blancs par exemple. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de nourriture. Oui, on peut les observer sur la Pier 39 dans le port. Et là, tu les vois se chamailler, se reposer, enfin vivre tranquille quoi. D'ailleurs, selon les chercheurs, ils se sont installés sur les docks flottants car ils n'ont plus à monter et à descendre de leurs rochers pendant la marée haute et la marée basse. C'est plutôt pratique parce que le dock maintenant suit le mouvement de l'eau. Hey, bah ils sont malins, dis donc. Si toi aussi t'as envie de les observer, eh bien tu peux regarder sur une webcam en direct ce qui se passe à la Pier 39. Je te mets le lien en description. Hey Clem, maintenant qu'on a fait connaissance avec les habitants marins de San Francisco, on remonte le temps? Allez, on s'arrête le 24 janvier 1848 dans le village de la baie de San Francisco. Ce jour-là, un charpentier, James W. Marshall, découvre de l'or. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une ruée vers l'or gigantesque qui débute. Les chercheurs d'or viennent de partout, du monde entier, pour espérer faire fortune. Imagine-toi, le petit village de 500 habitants devient en moins de 2 ans une ville de 20 000 habitants. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est plus de 800 000 personnes qui vivent à San Francisco. Quelques années plus tard, en 1853, le jeans est inventé par Lévi-Strauss et Jacob Davis. Il a été créé pour être très résistant et ça a été un véritable succès auprès des chercheurs d'or et des bûcherons. Et on peut dire que c'est pas passé de mode. En 1873, une invention fait son apparition à San Francisco, le cable car. C'est devenu un des emblèmes de la ville. Avant, les passagers et les marchandises étaient transportés par des véhicules tractés par des chevaux. Mais il faut s'imaginer la difficulté que ça représentait pour ces animaux de grimper les côtes de San Francisco. Ah oui, j'imagine. D'ailleurs, ce serait un accident qui aurait poussé l'inventeur à créer cet incroyable moyen de transport. L'ingéniosité du cable car, c'est qu'il n'a pas de moteur, il est tracté par un câble qui se situe dans le sol. Ça fonctionne un petit peu comme les remontes-pentes au ski. Ils ont failli disparaître plusieurs fois, mais quelques lignes ont quand même résisté. Si vous venez à San Francisco, faut absolument essayer. En 1934, le célèbre criminel Al Capone, dont on t'a parlé dans une autre vidéo sur Chicago, a été transféré dans la terrible prison d'Alcatraz, qui est en fait sur une île au large de San Francisco. C'est l'une des plus sévères des États-Unis à cette époque. Maintenant, il n'y a plus de prisonniers dedans. On peut la visiter, mais il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour réserver sa place. De 1933 à 1937, San Francisco s'allie avec son pont mondialement connu, le Golden Gate Bridge, qui veut dire le pont de la porte dorée. Mais il est rouge, Clem! Pourquoi il n'est pas doré alors? En fait, on appelait la baie de San Francisco la porte dorée bien avant le pont, en référence à son ouverture vers des voies commerciales. Et la ruée vers l'or a dû renforcer cette appellation. En fait, on appelle sa couleur l'orange international. Et est-ce que tu sais pourquoi on a peint le pont de cette couleur, Tuk Tuk? Oui, cette couleur permet de créer un contraste avec le paysage, ce qui le rend visible dans le brouillard. La peinture le protège aussi de la rouille et de la corrosion. San Francisco est souvent dans la brume et en fait, le pont accentue ce phénomène, alors il faut bien le protéger. Et d'ailleurs, une équipe de peintres s'occupe de lui toute l'année. Ce pont est une prouesse architecturale et technique. Il a été pendant près de 30 ans le pont suspendu le plus long du monde.
Il tient grâce à ses deux grandes tours et des câbles. C'est impressionnant! Aujourd'hui, San Francisco est une ville super dynamique. D'ailleurs, juste à côté, il y a la Silicon Valley où on retrouve les grandes entreprises technologiques américaines comme Google, Facebook ou encore Apple. Il est temps pour nous de reprendre la route. Mais si tu as aimé cet épisode, eh bien, mets-nous un petit pouce bleu, commente-le, partage-le, parce que ça nous aide énormément. Bon allez, à la semaine prochaine! Si tu ne veux rien rater de cette incroyable aventure, abonne-toi à notre chaîne YouTube et active les notifications pour ne rien rater. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee pour faire partie du club des petits aventuriers et nous aider à faire encore plus de vidéos. Allez, on se dit à la semaine prochaine!